Bonjour à tous. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors David, ça y est, c'est pas le bal masqué, mais c'est tout comme. On est chirurgien maintenant. Bon, ben voilà, après une longue absence, nous voilà de retour. Bah oui, absence, je dirais pas qu'on était absent, on a été moins présent devant la caméra, mais on a toujours été présent. On a, bon, évidemment que hein, le magasin a continué de travailler, même si on a été fermé pendant quelques semaines au moment du confinement, bien sûr. Bon, c'est une période compliquée pour tout le monde, ça c'est pas un secret pour personne. Malgré tout ça, ben, je veux dire que malgré tout, on a beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup plus complexe d'arriver à recevoir ce qu'on a besoin, je pense par exemple aux poissons, aux coraux, tout ce qu'il faut. Mais malgré tout, on s'en sort aussi là très bien, je dirais, hein, quand je vois un petit peu ce qui se passe. On arrive à avoir une très belle offre, même si on doit nous se montrer beaucoup plus souple. On reçoit souvent les arrivages arrivent plus tard. C'est beaucoup plus difficile aussi d'avoir de la place sur les vols, puisque forcément qu'il y a moins de vols, c'est beaucoup plus compliqué. Mais tant bien que mal, on se débrouille et puis on arrive quand même à avoir une offre qui est très très correcte. On va voir ça peut-être un petit peu en image ensemble tout à l'heure. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du matériel, quelques petites nouveautés, rien d'extraordinaire. Il faut savoir que c'est l'année où il y a normalement le salon en Allemagne qui a forcément vu le Covid y a été annulé. Donc c'est un salon sur lequel la plupart des fabricants présentent leurs nouveautés. Tout ça, ça a été reporté. Donc il y en a qui arrivent évidemment avec des nouveautés maintenant un peu au compte-gouttes, qu'on propose un peu à la fois et qu'on met bien entendu sur la page Facebook du magasin, tout ça, histoire de montrer et qu'on continue de recevoir les nouveautés. Il y a pas mal de choses d'ailleurs. Donc ça, et puis pour le reste, on est ouvert aux horaires habituels pour le moment et on espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va aller d'abord jeter un coup d'œil, qu'est-ce qui est en disponibilité? Voilà. Aussi bien en eau douce qu'en eau de mer. Oui. Hein, donc ça vous donnera une petite idée de ce qui est disponible. Voilà. Et puis, bon, ben, tout ça, c'est toujours disponible en VPC. Oui, oui, tout à fait. Hein. Pour tout ce qui est l'offre en vivant, tout ça, pas de souci. On continue de travailler. Et donc l'idée, c'est ça. Et puis pour les gens qui ont la possibilité et qui souhaitent venir se déplacer, ça leur donne un petit peu une idée de ce qu'il y a de disponible avant de faire la route. Bon, alors là, ce qu'il faut rappeler, c'est que bon, la frontière n'est pas fermée, hein, contrairement à ce que ça a été avec le confinement. Voilà. Donc la frontière est toujours ouverte. Donc vous pouvez toujours venir ici sans problème. En ce qui concerne la VPC, c'est toujours situation bloquée? Oui, pour le matériel, tant qu'on n'a pas des solutions où on a des, je dirais, où on n'a pas de meilleures solutions par rapport à la problématique des transports et tout ça au niveau du matériel. Par contre, au niveau du vivant, ça se passe bien. Donc là, on continue de travailler et je dirais qu'on a beaucoup de demandes au niveau du vivant, que ce soit les poissons, d'eau douce, d'eau de mer, les coraux, les plantes. Oui, ouais, tout ça, ça continue de tourner tout à fait normalement. Eh bien, restez avec nous, on va aller jeter un coup d'œil là-dessus. On y va. Twice then I went home.
I'm not afraid.
Feeling lonely. Good morning, calm down my body, baby.